Les marchés européens ont terminé ce lundi de Pentecôte en ordre dispersé. La prudence a dominé une séance à l'agenda limité en raison d'une journée fériée dans plusieurs pays de l'Europe. À la clôture des marchés parisiens, le Stoxx 600 était en baisse de 0,08% à 392 points. À Londres, le FTSE perdait 0,24% à 7529 points. À Francfort, le DAX, lui, progressait de 1,25% à 12 822 points. Enfin, de son côté, le CAC 40 perdait 0,6% à 5 312 points. Du côté des plus fortes hausses du CAC 40, nous retrouvons Safran, plus 0,63% à 80,28 € et Veolia Environnement qui gagne 0,57% à 19,47 €. En revanche, à la baisse, nous avons Unibail Rodamco, moins 2% à 231,25 € et Schneider Electric en baisse de 1,3% à 68,67 €. Sur le marché des devises, pour finir à la clôture de Paris, 1 euro s'échangeait pour 1,1248 $ et 1 dollar valait 110,50 yens. À la bourse de New York, c'était Alexandra Déglise pour Trading Central. Très bonne journée à tous et à demain.